Bonjour les Minecraftiens, ici Celle205, le milliardaire américain. On a eu une conversation sur Skype tout à l'heure avec Mr. Fanax. Yeah, et puis moi je suis le patron de McDo. D'ailleurs à ce propos, je vais la lire cette conversation parce que c'était excellent. Bonjour, bonjour. I am milliardaire américain qui dit bonjour. Hello, quoi de neuf? Pas grand chose. D'ailleurs à ce propos, il faut que je me rappelle de... Non, votre lecteur n'a pas bugué, c'est juste qu'il faut que je vous affiche ça un peu plus longtemps que ce qu'on avait dit dans la vidéo, juste pour que vous ayez le temps de lire et vous rendre compte à quel point c'est rigolo. Vous aurez sans doute pas le temps, donc mettez pause quand même. Allez, faites-le. Vous avez tous deviné pourquoi le niveau de conversation dans MVO est aussi bas, tout simplement parce que nous sommes des gros handicapés mentaux. Merci à nous vraiment de ne pas vous désabonner de converse parce que avec les autres c'est bonjour, bonjour, on joue, ouais, MVO, ouais, ok, appel. Ah bah on essaie de faire l'originalité, c'est... Bah ouais, c'est bien. Mais je crois que je recordais pas une partie par contre, je suis un peu mal pour ça. Mais bref, moi je retourne là où j'en étais d'ailleurs. Hé, tu m'as volé mon panneau. Ah non, c'est bon, j'ai 4 panneaux. Ramix, je sors. Pour cette blague de merde. Ah tiens, je garde un arc tendu dans le nether, il se détend quand on arrive dans le nether. Voilà, donc on termine les... pas mon quartz, oh. Connard. Voilà. 24h sur 24, 7 jours sur 7, le kebab officiel de la CLB Team avec Joris le golem. Hey, c'est Captain. Ah là là. Il détruit toutes mes constructions, j'ai des ressources limitées, moi, monsieur. Bon. Putain, c'est pas vrai. Oh, le connard. Oh, le super connard. Bon, allons tuer quelques guests, là. Ils sont une entrave à la grandeur de l'architecture. Enfin, grandeur. Voilà. Bon, par contre, les bibliothèques à l'extérieur font un peu bizarre. Ça sera modifié à terme. Moi, je modifiais le portail, en fait. À ce propos, je crois que ça va enlever ce bug absolument sublime. Qu'on adore. Ah. Oui, le portail n'a pas tellement envie de se désactiver, apparemment. Il va se désactiver uniquement quand j'aurai enlevé ce bloc-là. Il va se désactiver violemment, par contre. Violemment? Bon, normalement... Et je suis coincé dans le nether. T'inquiète pas, j'ai un fitness style. Faites donner du style, moi. What? Pourquoi j'ai des blocs of coal? Putain, je croyais avoir pris de l'obsidienne, j'ai pris des blocs of coal! Fais chier! Blocs of... What the fuck? Bon, c'est pas grave, on a pile poil le bon nombre pour agrandir à nouveau le portail. Mais après, faudra remettre... Et ben voilà, enfin, un portail avec du style! Bon, les gars sont l'air d'être partis. Ben moi, je retourne, hein, et... En tant que milliardaire américain, il faut bien que je gère mon entreprise. Oh, un cochon zombie. On laisse le cochon zombie. Ah, j'ai plus de laisse. Bon. Moi, je crois que j'en ai une. Oui, j'en ai une. Un cochon zombie en laisse, tiens. Ah bah, moi, j'en ai un là qui est à la maison. Bon, je vais le tuer parce que, franchement... Oh, un bébé zombie en laisse. Ah merde, des mobs hostiles, on peut pas, c'est vrai. C'était... Et eh ben moi je trouve ça plutôt beau hein. Kerbal Space Program, comme tu dis. Kerbal Space Program. C'est le jeu auquel je joue en ce moment, Monsieur Fanax. Et il ouais. Il a joué je crois avant Fanta, donc Vogel, bande de Kikou qui hurle au plagiat. Ouais mais bon enfin il m'a fait redécouvrir le truc quoi, j'avais juste joué rapidement la démo. En mode noob, c'est-à-dire j'essaie de lancer une fusée puis elle atterrit. Mal. Sol en quartz. Oui, je suis bien en sneak parce que là sinon je tombe dans la lave et je perds mon sauvegarde. Je sais pas trop quoi faire maintenant. Moi, Joris Industrie devrait. Je vais faire un champ de patates pour Joris Industrie, écoutez. Que tous les membres de la team manger un bon kebab.
quoiqu'il faudra installer le mode permettant de fabriquer des frites. J'improvise complètement ma construction, mais c'est pas grave. Ouais. Je vais mettre des carpettes après. Bon, par contre, on va interdire à Tinjoff de passer par le portail. Pourquoi ? Parce que sinon, il va le détruire et il va le reconstruire. Le portail ? Tout ce que t'as fait. Oh non, je dis bien à Tinjoff, oui, moi, j'ai mis du temps à faire ça et je suis fier de moi, donc tu touches pas. Pas touche. Pas touche la bouche. Touche la bouche. La mouche. J'ai dit la mouche. Ah bon? Oui, j'ai dit la mouche. Ah. Bon, bah voilà. Un petit stack de blé, ça fait plaisir. Eh ben, on avance plutôt bien, finalement, dans cette série. Oh, une jolie petite journée avec une musique. Je sais moi-même que c'est une série de merde, alors. Ouais, mais tranquille. Puis s'il y a toujours des gens pour la suivre, c'est qu'elle c'est, elle est pas si merdique que ça. Ouais, il y a toujours des gens pour la suivre. Toujours une petite vingtaine de personnes assez fidèles. Bon, c'est sûr que j'imagine que ça doit... Faudrait peut-être pas la faire durer encore très longtemps, parce que j'imagine que les gens commencent à se lasser. Ouais. Heureusement que j'ai fait un kebab avec un golem de fer, ça met du rythme. Ouais. Ça va surtout faire rager les gens dans les commentaires. Ah, t'as gaspillé du fer. Bon, ils vont pas être aussi violents que ça dans les commentaires. Mais non, ils sont gentils. Et merde, c'est pas une slap que je voulais mettre. Je sais pas ce que vous pensez comme... Je sais pas, tiens, dites-moi en commentaire, tiens, je pense à ça, mais ça n'a aucun sens, mais... dites-moi en commentaire quel est votre Patrick préféré. Patrick ou Whiteley ou autre, hein, la communauté française, hein, Patrick au sens large. Moi, mon préféré, c'est Monsieur Alvilla. Je trouve sympa. Oh, y a un zombie qui est tombé dans la machine. Oh là là. Ouais, par contre, j'ai fait tomber mes sticks. Il a rien looté. Mais bah, quand même, c'est une première, non? Non, c'est pas une première. C'est une quatrième. Oui, mais une quatrième pour une machine qui fonctionne depuis je sais pas combien d'épisodes. C'est pas franchement un score de fou. Tu m'étonnes. Oui, quoi? Allô? 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 Tu pars très très bas. Ah bon? Non. Poupidoupidou. Et bah voilà, c'est fini! Ou pas? J'ai oublié de faire le plafond, quel con. Et bah ça rend pas mal! Je suis plutôt à la hauteur de mes espérances. C'est plutôt à la hauteur de mes espérances. Ça veut bien casser ce truc. C'est très le silence. Ouais, c'est très le j'arrive pas à mettre mon escalier. Ce serait le je viens de réussir à mettre mon escalier. Je sais pas, il aime pas les demi-dalles. Il veut vraiment pas se mettre. Ou il aime pas les barrières, enfin bref.
C'est toi qui as touché à ton micro? C'est toi qui touches à ton micro pour nous faire souffrir, moi et les viewers? C'est pas vrai? Quoi? Oh non, t'es sérieux? Ah oui, je suis là, j'avais pas pensé à utiliser celui-là. J'aurais crafté par erreur, mais bon, je vais m'en servir du coup. Ah, ça m'énerve. J'ai plus de 3 blocs. Est-ce que ça va suffire? Oh non, c'est pas vrai. Il me manque 2. Il me manque 2 blocs de quartz pour finir ma construction. Non. Ah, j'ai une idée. Ouh, il y a du terrorisme à côté du kebab. Tant mieux pour le terrorisme. Quoi? S'il est à côté d'un kebab, il va pouvoir manger le terrorisme. Non. C'est plutôt Joris qui va pouvoir faire des kebabs avec les... Non, j'ai rien dit. Non, ça va repartir sur la polémique des lasagnes de cheval et tout. Le monde ne doit pas savoir qu'en fait, des kebabs sont faits. Non, en fait... Dans les... Bon, là, en fait, c'était des squelettes, mais... Bah ouais, pourquoi j'ai tapé ces Big Men, en fait, à propos? Parce que tu cherches les ennuis. Et que tu les trouves. Non, je cherche l'XP et je la trouve. Mais les ennuis aussi, à propos. Voilà un petit banc. Non, je vais me faire tuer. Je tue celui-là et je rentre à la maison. Je t'emmerde et je rentre à ma maison. Tu rentres manger un truc? Ouais, j'en aurais bien besoin, là. Chez Joris, au fait, il n'y a pas besoin de payer. Un demi-cœur de d'étouffement, j'en suis réduit à un demi-cœur tout court. C'est la nuit, et à l'issue de cette nuit, ce sera fini. Eh oui. J'aurais bon bien de faire des rimes horribles. C'est possible. Malheureusement, oui. Ok, bah moi aussi, la MC Castime. XD lol, PTDR lol. Et tu viens voir le résultat? Hein? J'arrive de ce pas. Oh, on va pas plus loin sans moi. Je te dis, on va pas plus loin sans moi. Allez, maintenant tu peux venir, vu que je suis là. Et voilà comment je pète mes bottes. Oh, on va pas plus loin sans moi. C'est bon. Allez, tu peux venir maintenant. C'est un bel accueil, ça. Non, moi, ouais, c'est pas mal. C'est sûr que le portail a une autre gueule quand même. Moi, je m'attendais vraiment à faire un truc dans ce genre-là. J'ai consommé tout le quartz au petit truc près. Là, c'est vraiment tout est consommé. Il y a 2 stacks qui sont partis là-dedans, oui monsieur. Et celui dans les commentaires qui dit 2 stacks de perdus, eh bien on le bannit ou autre. Parce que le quartz, ça a un intérêt uniquement décoratif. Et puis XP, mais bon, une fois qu'on a pris l'XP. On se prend un dégât d'étouffement par contre à chaque fois qu'on rentre dans cette pièce, donc ça m'énerve un peu. Hop. Je m'excuse, s'en est un peu pas vous appeler comme ça va lui demander toi. Et puis s'en est un peu pas vous appeler comme ça va lui demander toi. Et puis gramme par gramme. S'en est un peu pas vous appeler comme ça va lui demander toi. Rage. S'en est un peu pas vous appeler comme ça. Je crois que le portail va à nouveau. Le portail a glitché. C'est pas vrai. Tout. Peut-être de mon pack de protection, mais. Je sais pas très bon quoi. C'est un jukebox là. Putain, il y a quelqu'un qui a incrusté un jukebox dans le mur. Oui, c'est depuis le début de l'épisode, je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Et oui, il y a un jukebox. Il y a un disque de musique. Ah, il y a quoi? Sauf qu'on peut pas le faire rentrer dedans du coup. Ce CD est flippant, en fait. Oh.
CCD 11, CCD craqué. Qui a dit que Minecraft c'était pas un jeu d'horreur? J'enlève ici parce qu'après il y a un cri de Wither qui arrive assez violemment, je préfère éviter. Ouais, moi je flippe, pour rien. Où est ma gueule? Alors, hop, des petits escaliers des familles, comme dirait Monsieur Alvilia. Cette expression ne veut rien dire. Pardon, monsieur Evilla. Non, mais il en a conscience lui-même. Il aimerait se débarrasser de cette expression d'ailleurs. Mais il n'y arrive pas. Do you know I play for you? 31. Bon, je regarde pas personnellement. Ok, bah moi non plus, ça semble bien. Ah! C'est pas bien trop boire, CLB. Ah oui, mais là, non. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas s'asseoir sur ces bancs. On va faire comme si. Non, comme ça, c'est pas réaliste. C'est comme ça que c'est réaliste. Comme ça. Bref. Bon, et bien, c'est sur cette image stupide que nous allons nous quitter. Exactement. T'as le sens. Bref, sur ce qui, je vous dis au revoir, c'est SLB. Ah merde, c'est vrai, il n'y a plus Fire and Fire. Non. Tristitude. Oh shit. Non. Sur ce magnifique kill de moi, qu'on va se laisser. C'est ça. Bref. Oh, moi j'ai plus que deux cœurs. Ah, j'ai plus qu'un cœur. J'ai plus qu'un demi-cœur. Oh, c'est pas passé loin. Donc, je vous dis au revoir, c'était CLV. Et c'était Mister Fun Next. Tu vas prendre sa revanche dans le prochain.